Yo les tipettes, c'est vrai qu'aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui je vais faire un concept qu'on m'a demandé. Mais juste avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à abonnez-vous déjà. Abonnez-vous pour commencer. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, les gars, à ma chaîne, pour pouvoir me soutenir. Et aussi liker cette vidéo, les gars, ça me soutient énormément. Et voilà, on va commencer la vidéo. Donc là, j'ai fait un deck un peu random. Comme vous voyez, il a pas de sens. Hein, il a pas de sort non plus. Et on va partir en super défi, les gars. Donc j'ai cramé 100 gemmes. J'espère juste que je vais pas faire 0-3 parce que sinon, j'ai perdu 100 gemmes, quoi. C'est sympa. D'ailleurs, si vous voulez mon lien d'amis, vous voulez discuter avec moi, me proposer des concepts, etc., c'est sur mon Instagram, les gars, qui sera en description. Et voilà. Donc là, on tombe encore. Wesh. Mec, on tombe sur un gars asiatique, d'un clan asiatique, encore une fois. Donc là, on va juste partir en fantôme parce que le fantôme c'est bien relou. Ok, donc là il joue un feu barbare. On voit qu'il est niveau maximum, les gars. Donc potentiellement fort. Ok, donc nous aussi on a le pêcheur, les gars. On a un géant zappy assez what the fuck. Ce deck en fait, je l'ai créé. Comment? Je l'ai fait en vidéo, les gars. La vidéo qui est sortie hier. Où j'ai. Oula. Attendez. Là, ça se corse. Je viens de capter, mais là j'ai mini PK chasseur là. On soit bien d'accord, j'ai mini PK chasseur. Hein. Bon bref, du coup je l'ai créé quand j'ai fait la présentation de mes 4 decks que j'essaye niveau quand j'ai avec mes cartes niveau maximum. Donc j'ai juste enlevé toutes mes cartes niveau maximum. De base c'était mon deck j'ai un Zapis Cimetière Gel. Donc voilà, donc c'est vraiment un deck vraiment random comme vous voyez. Donc voilà. Donc là après on va jouer un GR méta. C'est assez sympa. J'aime bien le GR les gars. Je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo. J'ai deux decks GR. J'améliore mon GR au niveau maximum aussi. Et les gars, là on va partir en Zappy. Il a plus sur pêcheur pour enlever mon mini PK ou mes gros tanks. Ok, donc il a pas joué de GR. Donc là Zappy normalement j'espère qu'il tape. Allez. Ah, c'est le gros sac à merde. Allez, bouge plus chasseur. Ah, il a bien joué le gars. Le monsieur a bien joué là. Ok, il a bien joué. On va juste jouer une petite mousquetaire, les gars. Comment je puis-je passer? Ok. Je pense qu'on a à peu près la même idée. Les gars, on va jouer un petit pêcheur ici. On va ramener le géant royal là. Là on va jouer un petit fantôme. Ah ok, ça c'était pas trop prévu que le pêcheur y fasse ça, mais d'accord. Donc là les gars, on va partir en Zappy ici. Et on va pouvoir forcer là avec mon géant. Je ne pense pas dans tous les cas qu'il a encore vu. Donc là, ce qui va me casser les couilles, c'est qu'il a encore son pêcheur. Là c'est que je puisse caler le géant en vrai. Allez, nickel. En vrai là je pense que ça va être très compliqué pour lui de le défendre. Malheureusement j'ai plus mon mini PK pour aller Ok bon c'est pas grave. Il a bien joué, il a très bien joué même. Là ce que j'ai juste peur c'est qu'il parte en GR. Ok, il est pas parti en GR. Ok, quand je dis ça il part en GR évidemment. Ok très bien. Ok les gars, là il va tirer le fantôme et ça c'est parfait. On va prendre un seul coup de GR. En vrai c'est une game assez tendue. Je pense là il faut que je tente de recycle. Ok, oh, il vient de faire de la déla, je pense. Ok, la mousquetaire qui tape deux coups. Là faut que je recycle le plus vite possible. Attends. Non, c'est bon. Il m'a fait une fin, c'est bien joué. Ah, mon mini PK, les gars, parce que là, je sais qu'il va jouer son. Il va essayer de jouer son Iwiz. Ok. Voilà. Ok, bon là on a fait pas mal de dégâts, c'est assez cool. Là, obligé, joue son GR, voilà. Ça c'était très prévisible, on va remettre le pêcheur ici. On va mettre le chasseur ici. On va malheureusement prendre encore un coup de GR, ça fait très mal, ça coûte cher, sa défense a coûté très cher. On va mettre un géant devant, putain non, je vais protéger, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais du coup là j'ai donné un free géant, ça m'embête un peu. Ok, donc là normalement la mousquetaire qui fait même pas le taf, ça c'est un peu relou. Et là il a très bien joué. Et les gars, je pense que là c'est le GG en soi, parce que je peux pas défendre très clean
Voilà, c'est GG. Bon, je vais prendre le deck de mes adversaires, les gars. Alors, je pourrais malheureusement pas faire en ladder puisque j'ai pas les cartes niveau maximum. Et c'est très embêtant. Donc, on va prendre son deck à bas. Allez, hop. Au revoir, frère. Bon, voilà, super, nickel. On tombe sur le top 1000. Voilà, c'est génial ça. Sympa. Ouais, j'aime bien le jeu sinon. Ok, c'est pas grave, on part sur cette prochaine game, les gars, contre Yacine Supercell, qui n'a pas de clan. Je ne pense pas que ce soit un bon joueur. Bah ouais, niveau 8, c'est réglé. Je vous avoue, là, je joue un peu en mode YOLO parce qu'il est niveau 8. J'espère juste qu'il n'y a pas avoir un deck trop chelou. Ah, ça commence très très mal. Très très mal. T2 niveau 7. Méga Yargouille et Esprit de Feu, c'est pas des très bonnes cartes. Ouais, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Putain, après, je vais me taper un deck, frère. Si je le fais en début de super défi, les gars, c'est parce que je peux tomber contre des decks assez what the fuck. Voilà. Genre, de type, je suis là, quoi. J'espère juste qu'il est une condition, parce que sinon, je vais pleurer. Le type. Non, mais les gars, au secours, au secours, au secours. Non, mais oh là là. Non mais je vais pleurer les gars, vraiment un débarquement. Ça fait bobo, voilà, tête. Bon les gars, j'ai double chasseur là. Et là mec, s'il défend... Ah les esprits de feu, d'accord, ouais. Ouais. Voilà, et les gars, je vais me taper un deck frère après. Géant barbare d'élite. Avec une TDE, hein, évidemment. Ouais, ça va être super. Hein. Yacine, tu peux pas prendre à jouer s'il te plaît là, parce que c'est un peu chiant, tu vois. Donc là, une T2 niveau 7, ça défonce à genre à niveau 9. Ok. Why not? Lui, je dis, il a 5K. Ah, il est à 4K. 4K4, là, il y a grand max. Ah, j'ai l'impression de jouer comme si j'étais avec des vrais joueurs. Là, j'ai l'impression d'être vraiment avec un bot. Hein. Je vais faire avancer un peu le géant, les gars. Ah. Ah d'accord, ok. Un Jean Zappi. Ah bah ça me va moi, Jean Zappi. Hein. Ah les gars, vous connaissez Jean Zappi. Non. Ok. Voilà, je pense, s'il défend, je fais gagner 5 passes. C'est quoi? S'il défend, je fais gagner 5 passes. Voilà, il pourra impossible défendre. Mec. Voilà, il y a trop de monde là. Bon les gars, c'est une victoire assez facile contre Yacine Supercell les gars. On va malheureusement prendre son deck. Ah ça m'arrange pas, je vous avoue là. Nickel, nice ça. 2K4 les gars, quand même. Non mais... Et dire que j'ai barbare des niveaux 12 quand même. Ok, bon. On part sur cette troisième game, les gars. Dès que ça voudra bien trouver. Allez. Les gars, si vous voulez que je refasse un épisode comme ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à péter les likes, les gars. Et on tourne sur Clé Harry de Team Carlin. Ok. On va tenter un push de type inutile parce que je sais que ça fera aucun dégât. Sauf si c'est un arène 2. Comment ça tu mets autant de dégâts là? Ok, une petite T2 qui va gérer les baby drag. Nickel. Ok, il y a un chasseur, il y a un baby drag, il y a un fuyard barbare. C'est pas insane hein, ça. Ok. Vas-y, je vais me défendre. Allez, petit. Ah. Donc lui là, tu vas me dire qu'il est niveau max. Oh,
comment il joue, frère? Comment c'est possible d'être aussi nul? On m'explique. Là, je vous avoue, je sais même pas comment passer. Hein. Faut que ça focus. Merde, j'ai fait penser. Parfait, il met une boule de feu. Les appuis tapent pas, malheureusement. J'ai raté mes esprits. Oh, je suis malade. C'est quoi ces decks aussi là, frère? Y a pas de mousquetaire. Y a pas de mousquetaire. Dis oui, chasseur, n'importe quoi. Oh, c'était quoi ces decks? Ah, ouais. Vraiment, les gars, abonnez-vous. Hein. Vraiment, je fais ça pour vous. Parce que là. Ouais, j'utilise 100 gemmes pour tourner sur des decks comme ça là. C'est pas. Voilà quoi. Ok, joue un zappy, très bien. Avec une méga pour aller gérer le zappy. Le chasseur qui meurt normalement. Et là, les gars, on est très très bien. Alors, très très bien. Pas de niveau de deck. Ça, niveau deck, on est vraiment nul. Alors, il a failli pré-shoot les. En vrai, il défend bien. Hein. Faut que je garde ce TDE et la TDE, les gars. Là, je pense que je vais la mettre là en vrai. TDE. Il m'a un chasseur. Donc là, on peut vite la TDE parce que je sais qu'il y a un sous-jeu en royal. Merde, non. Non, j'ai fait de la D là. Ah, c'est terminé à tour ça. Oh, oh les gars. Oh, c'est un miracle. Oh, peut-être le miracle, les gars. Très bien les gars, oh, là, attendez les gars, on peut faire une dinguerie là. Non. Oh le géant frère. Oh le géant. Non, 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 il a pas de sort. Les gars, on a perdu un. Non. En vrai je vais arrêter. Bon les gars, je pense qu'on va continuer jusqu'à quelque chose 0. Enfin je sais plus jouer. Nickel. Donc là, on tombe sur un gars qui a 5. Quoi, il a 5 à 8 lui. Ah ouais, mais son niveau il est grave là. On tombe deux fois sur le même deck, c'est sympathique. Hein. C'est fort sympathique les gars, ce concept. Hein. Ok, bah vas-y, tu quoi. On va jouer en mode YOLO. On va jouer en mode ladder, les gars. Petit fuit à babar. Non, moi j'ai pas qu'il joue Arkis. Non, ça, il joue trop. Oh. Il joue les Halo Froyo, je crois. Ou cimetière, ouais, aussi. Alors, je vais prendre tarif. Non. Moi, ouais, j'ai déjà plus de tours, les gars. C'est super. Très bonne vidéo. Bon, là, il n'y a plus d'Elex, là. C'est de faute qu'un baby drag, frère. Good game. Bah, voilà. Super, le gars à cabane de barbare. Ouais, j'ai une bonne boule d'œuf. Je vais la mettre, les gars, parce que bon. Voilà. Il y a trop de barbares là pour moi. Ouais, le seul avantage que j'ai, c'est que je sais que plus vite. Donc là, je mets des squelettes et je vais repartir en gère. Mais le problème, c'est de la défense après. Ça, c'est autre chose, la défense. Ouais, je vais mettre un petit Bob. Les gars, lui c'est Bob là. Vous le respectez Bob dans les commentaires. Ok. On va mettre un petit esprit de soin pour aller soigner ce pêcheur. Et là les gars, je ne peux malheureusement pas partir en géant royal. Là on a une free boule d'œuf là. Elle est gratuite cette boule d'œuf les gars. Il l'a offert. Wesh, le pêcheur il se fait défoncer là. ok, donc là je vais mettre un petit fût vite fait pour aller détruire ça. Ok, là on met ça. Et les gars, en fait, ce que j'attendais c'est qu'il attaque pour pouvoir porter un counter push. Ok, là je peux mettre un baby drag. Un géant royal, esprit de soin. La petite fireball des Famax. Normalement, il n'y a pas de fuir barbare. Normalement, il y a une bonne grosse bûche là.
Les gars, normalement, on va avoir spawner XMGR, mais il y a trop de monde. Mais mec, il joue trop bien, les gars, là. En même temps, je pense que ce gars, il a un putain de counter, là. Je pense que le gars aurait un putain de counter avec ses cabanes de mort, là. Ok, bon bah nice les gars, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est un plaisir de faire Zephy, hein. En plus je me tape. Qu'est-ce qu'on ferait? Bon bah je viens de cramer son gemme, super. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Ciao.